Bonjour, nous sommes étudiantes à l'université d'État Jingushi dans la faculté des lettres. Je voulais vous parler de notre magnifique capitale qui est Magas. Notre université se situe dans cette capitale et elle fait partie de l'université la plus fréquentée de la République. Comme vous pouvez le voir, elle est assez grande. Elle fait partie des récentes constructions de la Fédération de la Russie et elle comprend également 9 facultés différentes. Le bâtiment principal de l'université est situé dans le centre de Magas. On peut le voir immédiatement à l'entrée de la ville grâce à son dôme rouge vif. Une autre attraction de Magas, sa marque de fabrique, est la tour située en son centre. Elle a été construite dans le style d'une tour ingouche médiévale. Une autre attraction de Magas, sa marque de fabrique, est la tour située en son centre. Elle a été construite dans le style d'une tour ingouche médiévale. On l'appelle la tour de la Concorde. Ce nom a été donné par une ancienne légende qui dit que la plus haute tour du pays se trouvait autrefois sur le site de la tour moderne, étant un symbole de liberté pour les résidents. La tour de la Concorde atteint une hauteur de 100 mètres. La légende dit que seul un peuple uni par un seul esprit et un seul objectif commun sera en mesure de construire une nouvelle tour au-dessus de la tour actuelle. La construction des tours ingouches a sa propre histoire. Selon la légende, à l'ancienne, l'endroit choisi pour la construction de la tour était arrosé de lait. Si le lait n'était pas absorbé par le sol, un tel site était considéré comme bon. Puis la construction pouvait enfin commencer. Le principal représentant de l'architecture traditionnelle ingouche, ce sont les tours. Les tours de la partie montagneuse de l'Ingouchie étaient de deux types. Une tour résidentielle et une tour de bataille. La vie quotidienne de l'Ingouche médiévale était associée à la tour résidentielle que l'on appelle chez nous Rao. Cela a duré la majeure partie de la vie des Ingouches. La tour résidentielle était une structure carrée ou rectangulaire en pierre, généralement divisée en deux ou trois étages avec un toit au sol plat bien enduit d'argile. La hauteur de trois étages a atteint une moyenne de 10 à 12 mètres. Également, près de Magas, il y a un grand complexe commémoratif qui attire les touristes avec son architecture inhabituelle. Ce mémorial est dédié aux dates mémorables les plus importantes, aux événements tragiques et solennels de l'histoire de la République. Également, près de Magas, il y a un grand complexe commémoratif qui attire les touristes avec son architecture inhabituelle. Ce mémorial est dédié aux dates mémorables les plus importantes, aux événements tragiques et solennels de l'histoire de la République. Les monuments et les compositions du complexe reflètent des événements historiques et représentent des personnalités exceptionnelles. Solombek Tsarkulovitch Oskanov est un pilote militaire, major général de l'aviation. Héros de la Fédération de Russie, il est le premier à recevoir ce titre. Le 7 février 1992, alors qu'il effectuait un vol d'entraînement dans des conditions météorologiques difficiles, l'avion MiG-29 piloté par M. Oskanov a rompu l'horizon aérien et a perdu son orientation spatiale. Sortant des nuages, le pilote a vu des difficultés devant lui. Au prix de sa propre vie, il a réussi à empêcher l'avion de tomber sur le village de Khvorostyanka, district de Dobrinsky, région de Lipetsk. Ainsi, il a reçu la médaille du héros de la Fédération de Russie. La capitale de notre République est assez jeune, sa construction n'a commencé qu'en 1995. Mais malgré cela, de nombreux sites culturels ont déjà été construits. Il y a de merveilleux parcs ici, dont le plus connu s'appelle la Ruelle de la Mer. De nombreuses écoles, restaurants, cafés sont ouverts. Il y a aussi l'hôtel le plus célèbre d'Ingouchi, Artist Plaza. Il y a également de nouveaux pavillons d'arrêt dans la capitale et sont équipés de la climatisation, de machines à café, d'une télévision, d'une bibliothèque électronique Wi-Fi et de connecteurs USB afin de charger les téléphones. On vous invite donc à venir nous rendre visite dans notre magnifique ville solaire qui est Magas. On vous attend dans notre belle république. À bientôt. À bientôt.